Caille victoire 1-0 contre Montpellier, on sent que Paris a frappé un grand coup aujourd'hui. Oui, je pense aussi pour nous, c'était vraiment un match difficile. C'était très important pour nous pour gagner maintenant avec Montpellier, parce que c'était un match, je pense pour moi, un petit peu décisif, parce que le championnat est long, mais quand même c'est juste 4 matchs dans le championnat qui sont vraiment importants. Mais tous, ils sont importants, mais je vous dis que les matchs avec, je sais pas, Montpellier, Juvisy, Lyon, ils sont vraiment durs. Et on est passé un cap, aujourd'hui, c'est juste pour continuer comme ça, et ça va être vraiment bien. Et grosse satisfaction personnelle aussi pour toi, toujours pas de but encaissé en championnat, on sent que la défense travaille tout ensemble, comment est-ce que tu sens cette défense du Paris Saint-Germain? Oui, on est vraiment bien, quelqu'un il m'a dit quelques jours avant que je ne suis pas aussi comme ça performance qu'avant, mais je montrais aujourd'hui que c'était vraiment un accident, je ne sais pas qui pense comme ça, en fait on a la meilleure défense dans toute la ligue, et je suis vraiment content. Votre prochain match c'est Soyou, comment vous l'apprendez ce match? Pareil, ça va être peut-être pas la même pression qu'avec Montpellier, mais pour nous tous les matchs ils sont vraiment importants. Et c'est vraiment important pour ne perdre pas la concentration parce que c'est jamais facile en fait. Il va être prêt, le coach il est vraiment prêt pour tous les matchs difficiles et même un petit peu moins. Et je pense qu'il va préparer toute l'équipe vraiment bien. Kate, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui est né après ce match de Ligue des Champions. On est sur la suite, ce match est la preuve aussi de peut-être du changement qui est né depuis ce match de Ligue des Champions, dans l'état d'esprit, dans ce qu'on a vu sur le terrain, dans les automatismes aussi. Est-ce que tu as l'impression aussi qu'il y a quelque chose qui est en train de naître depuis ce match de Ligue des Champions? Je pense que c'était... Déjà commence comme ça, c'était vraiment dur pour nous pour commencer les championnats parce que ça change beaucoup dans l'équipe, dans le staff, les trucs comme ça. Mais les matchs avec l'équipe norvégienne, ça montre qu'ils ont vraiment pour jouer à la foot. Et c'est vraiment pas un accident qu'on a gagné 4-1. Maintenant, on a montré qu'on est vraiment aussi capable pour faire quelque chose. Et non, je pense qu'on n'arrête pas, on va continuer comme ça. Merci.